tu vas te joindre à nous, corps, âme et esprit. Parce que le ciel veut adorer avec les humains. Oh,
Jesus,
Jésus, c'est toi. Alléluia. Il y a un homme que j'ai rencontré il y a déjà près de 14 ans et ma vie n'a plus jamais été la même. Il a un slogan, je suis né pour servir Dieu, je vis pour servir Dieu et je mourrai en servant le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Il est parmi les anciens à la porte de l'évangile dans cette nation. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Avec ses occupations, la fatigue, les multiples programmes au Cameroun, hors du Cameroun, il trouve toujours du temps à parler au peuple de Dieu. Quand on a fini la croisade au foyer Banjoum et au palais des congrès, j'ai senti fortement dans mon esprit où le Saint-Esprit m'a dit, ne rentre pas vers toi, arrête-toi à un moment et laissez la vie au faible reste qui a cet endroit. Est-ce qu'il y a un moment qui est là? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que tu es content? J'ai eu une vision dans la nuit. Et un homme est venu simplement, il m'a posé la question. Il m'a dit, j'ai senti une fatigue à une certaine heure. En tant que quelqu'un qui est mieux, j'ai senti que Dieu veut me parler. Je suis allé me coucher. Comme il y avait les enfants au bureau, le plus petit a dormi. Et quelqu'un m'a dit, il m'a dit, est-ce que tu sais que quand certaines personnes se déplacent, ils se déplacent avec le ciel? Dans ma vision, je suis allé chercher mon aîné là-bas au carrefour et il n'y avait pas la circulation entre Essos et ici. Il y avait le feu qui précédait, il y avait des gens qui venaient déjà vu l'homme de Dieu en train de monter et de monter. Dieu m'a dit, il y a des gens que quand ils se déplacent, le ciel se déploie dans ce monde. Ici. Et le simple fait de partager cette atmosphère, tu rentres avec quelque chose que tu n'attendais pas. Est-ce qu'on peut acclamer comme nous recevons? Il est. Amen. Alléluia. Il est le président fondateur de Rema Ministry Mission. Et il est le directeur général de Zoé Channel et de Doulos FM. Et lui-même est le premier doulos du Seigneur, c'est-à-dire serviteur inutile du Seigneur. Sans plus tarder, nous acclamons le Père des Pères, le prophète majeur. Si tu veux prier, tu pries, si tu veux acclamer. Maintenant, acclame pour ta visitation ce soir. Je voudrais remercier à son éminence le révérend prophète Martial Séné et maman Séné. Hier, nous avons passé des moments extraordinaires à la maison et l'Esprit de Dieu nous a inondés de sa grâce. Et j'ai écouté leur histoire comme jamais. J'ai été marqué fortement par leur histoire. Lui, à lui seul, il représente les milliers d'Israël. À lui seul. Il sera assez ramillo, je vais assez ramillo, sur un filto, et sera mémorable en hôtel. E sera mi morre vocello, sera mi morre di asfer. Quando che, vai, c'è mon petit frère, dans le Seigneur m'a donné. C'è un petit frère qui m'interroge parfois beaucoup. Papa, quand il arrive à la maison, je vois seulement, il sort et il ramasse des choses. Il demande qui t'a donné. Il dit que
Il dit pour toi, c'est pour moi. Amen. L'autre jour, j'ai vu OK. Il y a des costumes, regarde, choisis. Il allait, il choisit. Après, il vient me dire aucun ne me plaît. Cherche d'autres. Le costume là, je. Ça me plaît pas, cherche d'autres. Donc je suis en train de chercher encore. Si quelqu'un n'est pas ton frère, il ne peut pas faire comme ça. Donc quand il arrive à la maison, vraiment, il dit à tout le monde que chacun soit sur ses gardes. Parce que l'oncle est là. Voilà. Donc, et c'est l'un des premiers prophètes Hosée que j'ai vu. Fait que je peux témoigner que ça c'est Hosée. C'est-à-dire quelqu'un qui voit des visions du Très-Haut. C'est un homme qui ferme les yeux et le ciel lui apparaît. Il voit des choses que peu de personnes voient dans notre génération. Et il y a des choses qui sont certaines. Le mouvement de réveil que tu vas précéder sera sans précédent au Cameroun. On entendra parler dans les nations. Donc, il ne faut pas écouter les gens. Ces choses arriveront. Elles ont été écrites du doigt de Dieu. Chaque vision que vous avez eue va s'accomplir. Ça, c'est vrai. Dans la nation, ça va s'accomplir. Tu sais, il y a de cela quelques années, si on me disait que je vais me tenir sur un pupitre comme ça pour prêcher une église, je ne croirais pas. Parce que tous les hommes de Dieu étaient ligués contre moi. Dans leur pupitre, ils me refusaient cela à cause de la calomnie, la médisance, la méchanceté. Aujourd'hui, j'ai l'embarras de choix. Donc, un homme ne peut pas bloquer la destinée d'un homme que Dieu a appelé. C'est pas possible. Lorsque la main de Dieu sur ta vie, personne ne peut t'empêcher d'arriver où le Seigneur veut que tu arrives. Là, tu m'as dit, mon Père, mon Jésus, montre-moi ta gloire en ce lieu. Je veux voir ta gloire en ce lieu. Commence à lui parler. Demande-lui ce que tu veux ce soir. Et sera
Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Que ta main touche ma vie ce soir. Que ta main touche ma vie ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute œuvre de Satan. Que toute œuvre de soit Satan. Détruite dans ma vie. Soit détruite dans ma vie. Ouvre la bouche et commence à prier. Contre les œuvres de Satan. Dis-le Seigneur, que les œuvres de Satan soient détruites dans ma vie. Que de Dieu est détruite. Toute œuvre de Satan dans la vie du peuple de Dieu est détruite. Toute œuvre de Satan dans la vie du peuple de Dieu est détruite. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute œuvre de Satan. Tu amènes trois fois ceci. Amen. 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 Avec du temps, nous allons lire juste un passage et après ça, on va prier ensemble. Amen. Toi, tu as vu dans Luc chapitre 10, verset 17 à 19. Luc chapitre 10. Et je voudrais que tu sois dans la mouvance de l'esprit. Sois dans la mouvance de l'esprit. Le Saint-Esprit est ici. Luc chapitre 10, oui. Verset 17 à 19. Oui. Les 70 revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon ouvre Dieu. Mon esprit. Ouvre mon esprit. Afin de comprendre ta parole. Afin de comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu t'assois en acclamant le Seigneur. Amen. Nous sommes dans la guerre contre les forces mystiques. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans cette guerre-là. Elle est ouverte. Elle a été déclarée. Et nous. Bénissons le Seigneur parce qu'il nous accordera la victoire. Nous avons déjà la victoire. Dans tous les domaines de ta vie où il y a des principautés qui t'attaquent, le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Amen. Je voudrais parler du trône de Satan. Dis à ton voisin le trône de Satan. Le trône de Satan. Et je pense que dans Apocalypse, la Bible dit clairement que, je pense qu'il y a une église. Et c'est là. Et souffrant, et c'est faire un immoraxe. Et c'est la mémoire informera, et souloué. Et c'est la maro maro, et c'est faire un immoraxe. Et
Et je ferai mes mots que l'on sera. Et sera mes lots, et sera mémorable de nos corazons. Et sera mémorable en Sarai. Sera mes lots, et sera mémorable de nos corazons. Jésus parle à une des églises, dans les sept églises de l'Apocalypse. Il dit que je sais que où tu es, c'est la demeure de Satan. C'est-à-dire, ta maison est bâtie sur les fondations de la maison de Satan. Il faut comprendre que il y a une réalité qu'on appelle le trône de Satan. Et le trône de Satan, tout se joue autour de ce trône. Celui qui n'a pas pu vaincre le trône de Satan, sa vie ne peut pas émerger. Une famille où le trône de Satan est établi ne peut pas réussir, non. Lorsqu'on parle du trône de Satan, Tronos, il s'agit du règne du diable, son gouvernement, sa gouvernance, son autorité établie dans une nation, établie dans une famille, dans un village, dans une ville. Lorsque le trône de Satan est établi quelque part, ce sont les intérêts de Satan qui prônent. Ce sont ses intérêts qui sont mis en avant. Dans une famille où le trône du diable n'a pas encore été renversé, personne ne peut briller dans cette famille. C'est-à-dire qu'il y aura des gloires de façade. Quand on parle de gloire de façade, c'est une gloire où on pense que quelqu'un a réussi après malheur, le brise. Tu peux avoir des joies de mariage, mais après il y a divorce. Quelqu'un peut réussir avec la richesse, ça ne dure pas, il redevient encore pauvre. Ouais. Les gens sont intelligents, mais l'intelligent ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est de faire du mal aux croyants, à l'humanité, mais aux croyants de façon particulière. Donc, lorsque Jésus envoie les apôtres, ils vont. Et c'est là qu'il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est une guerre. Nous sommes en guerre. Chacun est un soldat. Tu ne peux pas être heureux tant que tu ne déclares pas la guerre au trône du diable dans ta vie et dans ta famille. Ceux qui ont réussi à renverser le trône de Satan et Satan de son trône, ceux-là commencent à goûter aux merveilles des promesses de Dieu dans leur vie. C'est pour cela que vous vous rendrez compte que être enfant de Dieu, malgré la nouvelle naissance, la sanctification, la consécration, parfois on souffre encore des oppressions. Quand je parle d'oppression, ce n'est pas seulement des oppressions nocturnes. Ça peut être dans tes affaires, ça peut être dans ta vie sentimentale, dans ton ministère, dans ton mariage. Les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Et tu te poses une question. Mais je suis enfant de Dieu. Pourquoi les choses ne marchent pas pour moi? Je n'arrive pas à me marier. Pourquoi? Je suis marié. Pourquoi je n'arrive pas à avoir des enfants? Pourquoi je ressens comme le blocage dans ma vie? Pourtant, prêche à l'église que ceux qui ont Jésus sont plus que vainqueurs. Où est la victoire dans ma vie? Pourtant, moi, je vais de défaite en défaite, de pleurs en pleurs. Toute ma vie, c'est les pleurs. C'est la déception. En fait, le problème, ce n'est pas que tu n'es pas né de nouveau. Tu es né de nouveau, c'est vrai. Tu aimes Dieu, c'est vrai. Tu as de la passion pour Dieu, c'est vrai. Mais c'est que le trône de Satan n'est pas encore renversé dans ta vie. Satan est encore assis sur son trône dans ta vie. Et tant qu'il est assis sur son trône, c'est lui qui dictera les événements de ta vie. C'est lui qui commande. Et donc, les apôtres vont aller en guerre. Quand ils vont aller en guerre, ils vont ramener le butin. Et ils vont dire à Jésus quelque chose. Ils disent, Seigneur, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Et Jésus va leur donner une révélation. Il leur dit, non, ce n'est pas les démons seulement qui étaient soumis. Si les démons vous sont soumis, c'est parce que vous avez soumis celui qui les soumet. Est-ce que vous comprenez? Mais les apôtres ne savaient pas. Eux, ils voyaient les démons. Ils voient l'impact de leur ministère sur les démons. Or, aucun démon ne peut être soumis à un enfant de Dieu si cet enfant de Dieu n'a pas soumis le prince des démons lui-même. Donc, ils avaient renversé le prince des démons. C'est-à-dire, le gros gibier avait été tué. Mais ils ne savaient pas. Ils ont vu juste le petit gibier d'à côté là. Jésus leur a dit, non, si vous voyez le royaume de Satan vous être soumis,
c'est que vous avez réussi à renverser Satan de son trône. Il n'est plus sur le trône. Une personne qui n'a pas mis les genoux du diable par terre ne peut pas mettre les genoux des démons par terre. C'est impossible. Pour que tu aies accès à la domination sur le monde des ténèbres, Satan doit être renversé d'abord. Et Jésus leur dit, il dit, moi-même, je voyais Satan tomber du ciel. Hein? Tomber, il dit, en français, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais la version grecque dira, je voyais Satan tomber comme un éclair tombe du ciel. Donc à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, il est tombé avec fracas, avec rapidité, avec brutalité. L'onction et l'autorité des apôtres, au nom de Jésus, a mis Satan à genoux. Et Satan s'est mis à genoux devant les apôtres. À partir du moment où le diable s'est mis à genoux, tous les démons se sont mis à genoux devant les apôtres. Ils ont vu les démons soumis, mais ils n'ont pas vu le diable soumis. C'est à partir de ce moment que le ministère des apôtres a pris une autre tournure. À partir de ce moment, ils avaient accès. La sorcellerie leur était soumise. Les forces démoniaques leur étaient soumises. À partir de ce moment, ils ont eu une percée dans le monde des ténèbres. Pour que tu aies une percée dans ta vie, tu dois avoir d'abord une percée dans le monde des ténèbres. Il faut que le démon qui te résiste là, tu réussisses à le briser, à le casser en deux. Dès que tu soumets le prince des démons, tout le monde des ténèbres ne peut plus s'opposer à ton mariage, ni à ta santé, ni à ta richesse, ni à ton succès. Qu'est-ce qui empêche un enfant de Dieu de briller? C'est quoi? C'est quoi? C'est le monde des ténèbres. C'est pas ça. C'est Satan. Et Satan utilise les démons ou la sorcellerie pour nous faire du mal. Donc il faut que le trône du diable soit renversé dans ta vie. Si ton foyer est troublé, c'est que Satan a établi son trône dans ton foyer. Donc ne va pas chercher de midi à 14h. Lève-toi dans la prière. Dis à toi le trône de Satan. Je prophétise au nom de Jésus. Tu es par terre. Le diable qui est établi dans mon foyer, je le renverse au nom de Jésus de Nazareth. Dans chaque domaine de ta vie, tu ne dois pas vivre en collaboration avec le trône de Satan. Non. Ne vis pas dans une coexistence pacifique avec le trône de Satan. Quand ça ne marche pas, Jésus rappelle aux apôtres, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, le pouvoir est en toi. Tu dois te lever pour manifester ce pouvoir. Les serpents, les scorpions sont des catégories de démons. Des animaux totémiques, comme l'homme de Dieu nous a expliqué. Dans ta maison, il peut y avoir un lézard, mais tu ne sais pas que c'est une antenne de sorcellerie. C'est un micro. Hein? C'est un micro qui enregistre. C'est une caméra. Ces yeux-là, c'est la caméra. Ça filme tout ce qui se passe dans ta maison. Ça rapporte ça dans le monde des ténèbres. Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. En grec, on parle de pateo. Sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et dit, rien ne pourra vous nuire. Les serpents et les scorpions ont une chose en commun, le venin. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que la puissance du diable se trouve dans son venin. Lorsque le diable met son venin dans ta vie, automatiquement, ta vie devient souffrance, pleurs, déception, blessure, contusion. Partout où tu vas, tu es rejeté. Tout ce que tu fais, ça échoue. Un enfant de Dieu ne devrait pas échouer. Lorsque tu remarques que tu échoues, c'est que le trône de Satan est encore intact. Aujourd'hui, on va commencer la guerre contre le trône de Satan. Si on renverse ce trône qui subsiste contre toi, dans ta famille, je te dis la vérité. Les miracles que tu attends voir, tu vas commencer à les voir. Lorsque les apôtres ont renversé le trône de Satan, leur ministère a commencé à voir des signes, des prodiges, des miracles. Leur réputation a commencé à les précéder jusqu'aux contrées lointaines. Pourquoi? Parce que ce qui faisait opposition à leur élévation a été renversé. Si tu ne réussis pas, quelque chose t'empêche. Cette chose, c'est quoi? C'est le trône de Satan. Il doit être renversé. Dis à ton voisin, le trône de Satan doit être renversé. Et laissez-moi vous montrer quelque chose. Nous luttons contre un ancien général de l'armée de Dieu, le plus haut gradé au ciel, le plus haut gradé des généraux de l'armée du ciel. Donc le christianisme, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas les jeux.
C'est pas pour les ignorants, c'est pour les connaisseurs. Et je vais revenir sur le haut gradé. J'ai expliqué une chose. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus combat Satan. Lorsqu'il combat le diable, il combat Satan. Et puis, à chaque fois que Jésus dit, il est écrit, le diable répond aussi, il est écrit. Et Jésus dit au diable, il est écrit. Le diable répond, oui, mais il est aussi écrit. Et Jésus allait vérifier tous les versets que le diable a cités. Il les a cités exactement, il n'y a pas d'erreur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Comment tu peux lutter contre Satan qui a toute la Bible en lui, mais ne la pratique pas? Sa connaissance, c'est pour pervertir les voies des enfants de Dieu. Semer le tout dans ton cœur. La Bible, n'est-ce pas? La Bible a dit que, n'est-ce pas? Dieu t'avait dit en songe que pourquoi la chose n'est pas arrivée, puisqu'il est écrit que c'est pas la parole de Dieu que le diable cherche à ruiner la foi des enfants de Dieu. Il faut avoir la connaissance. Jusqu'au moment où Jésus ignore le diable, il lui dit, arrière de moi, Satan. Car il est écrit. C'est là que le diable est parti, il n'est plus jamais revenu. Mais tant que Jésus continuait en disant, il est écrit, ils allaient passer l'éternité là-bas. Parce que le diable aime cela. Donc c'est un haut gradé, mes amis. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui a occupé le plus grand rang parmi les archanges au ciel. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il faut faire attention. C'est quelqu'un qui connaît les lois du combat spirituel. Donc quand tu t'attaques au diable, tu dois être une personne qui est calée dans les saintes écritures. Quelqu'un qui est calé dans les sciences de la guerre. Si tu n'as pas de connaissances, le diable va t'écraser avec l'enseignement. Tu peux posséder la parole, mais la parole ne te change pas. Est-ce que vous comprenez? Le diable fait partie de ce modèle. Il a toute la Bible en lui, mais la Bible ne le transforme pas. Mais laisse-toi la parole de Dieu manifester la puissance de Dieu en toi pour combattre Satan et le vaincre. Et vous devez savoir une chose, mes amis. Tout ce que tu es, le diable sait. La Bible déclare que lorsque David fut point roi, les Philistins se sont mis en marge contre David. Ça doit vous interpeller. Lorsque vous avez une grande étoile, votre vie sera un enfer si vous ne connaissez pas la parole. Le diable fera tout pour que tu ne deviennes jamais ce que Dieu a dit que tu seras. Quand David a été un roi, la Bible dit que les Philistins se sont levés. Ils se sont mis en marge contre David. La question que je pose, ils ont su comment que David avait été un. Si ce n'est pas qu'ils ont reçu des signalements mystiques, puisqu'il n'y avait pas de téléphone ni de télévision. Donc lorsque ton étoile est grande, Satan sait. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Satan, ayant combattu le ministère de Moïse, il a mis la colère sur Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Parce que Satan, c'est l'ennemi redoutable. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que l'endroit où Moïse a été enterré, personne ne connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le livre de Jude, la Bible dit que Satan est parti, on ne sait pas si c'est de nuit ou c'est de jour, pour aller enlever, voler le corps de Moïse. Et Dieu a dépêché l'archange Michel pour aller. Ce passage doit nous faire réfléchir. Aucun homme sur la terre ne connaît où le tombeau de Moïse se trouve, mais Satan connaît. Il a fait comment? Pour connaître. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'as dit à personne, mais le diable connaît. Il connaît qui tu es. Il sait. Voilà pourquoi tous ceux dans la Bible qui étaient nés et prédestinés à la grandeur, le diable connaissait et il les a combattus. Quand Moïse est né, Pharaon a sorti une loi directement contre tous les enfants de 2 ans descendants. C'était la tranche d'âge de Moïse. Il ne connaissait pas Moïse. Il a frappé dans le tas. Et quand Jésus-Christ est né, la même sentence a aussi été donnée. Hérode a dit que les enfants de moins de 2 ans soient tués. Pourquoi? C'était pour tuer qui? Pour tuer Jésus. Lorsque Jésus-Christ est allé voir le fou de Gadara, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Lorsqu'il a pris la route pour aller là-bas, il fallait voyager par bateau. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver chez ce fou? Qu'est-ce qui s'est passé? Son bateau voulait naufrager. C'est pas ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui avait fait de ce jeune homme un fou? C'était les esprits des eaux. Donc quand Jésus est arrivé sur l'eau, ces démons qui gouvernent à partir des eaux,
le trône du diable qui est dans les eaux a voulu noyer le Seigneur Jésus, mais il les a vaincus. Et c'est là-bas que le fou de Gadara a été délivré, lorsque les puissants des eaux ont été vaincus par le Seigneur Jésus. Pourquoi, mes amis? Parce que Satan savait que ce jeune homme était un évangéliste. Il l'a rendu fou. Donc vous allez remarquer que lorsque Dieu a des grands projets pour ta vie, tu auras aussi des grands combats. Les sorciers vont te chercher. Tous les malheurs vont tomber sur toi. Tous les problèmes, c'est sur toi. Toutes les difficultés de la vie, sur toi. Les maladies, moi, que vous voyez, j'ai connu des maladies mortelles pendant près de 10 ans de ma foi. 10 ou 7 ans à la vraie église. Quand je donne ma vie au Seigneur Jésus, j'étais constamment malade. Si on disait à quelqu'un que j'en ai atteint d'un âge, si personne ne croirait en cela. J'étais malade au point de passer de 70 kilos à 47 kilos. J'ai perdu 23 kilos. J'étais comme ça, comme une feuille morte. Pourquoi, mes amis? Parce que moi-même, je ne connaissais pas que je serais un jeune prédicateur international. Je ne savais pas. Mais le diable lisait le livre de ma destinée, il savait. Il savait. Le diable connaît les projets de Dieu pour toi. C'est un esprit. C'est quelqu'un qui est dans le secret de Dieu. La mort de Moïse, la Bible dit que c'était secret. Mais comment le diable connaissait-il le secret de Dieu? Et dans le livre de Job, la Bible dit que quand Dieu a convoqué ses fils dans son conseil, comment le diable a-t-il fait quoi? Son conseil de Dieu se retrouvait là-bas. Et c'est le seul qui a causé avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Faut faire attention. Quand tu remarques que ta vie est difficile, comprends que tu es un grand homme, tu es une grande femme. Quand ça ne va pas, quand tu vas de déception en déception, de combat en combat, de difficulté en difficulté, d'opposition en opposition, tu pleures, tu réfléchis, tu te demandes, mais, si Dieu était mon Dieu, si Dieu est vraiment Dieu, s'il existe, pourquoi autant de malheur dans ma vie? Ça doit te montrer que ton avenir est grand. J'ai appris à mesurer dans mon passé, mon futur, dans mes difficultés. En voyant le genre de problème que j'avais, je savais quel genre d'homme je suis. Et depuis mon jeune âge, à 16 ans, je me suis habitué au combat. Au début, c'était compliqué. À un moment, j'ai compris que, en fait, ma vie est faite pour la guerre. Je me suis accommodé. C'est-à-dire qu'au lieu de me plaindre contre les problèmes, la guerre, j'ai appris à aimer les problèmes. J'ai appris à aimer la guerre. Et ça fait que je suis un amoureux de la guerre. J'aime les problèmes. Je n'aime pas la paix. J'aime quand il y a les problèmes. Quand il y a la paix, je vais prier. Je demande à Dieu, est-ce que tu en connais ou tu m'as abandonné? Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis né pour ça. Je suis né pour affronter les montagnes. Et plus j'affronte les montagnes, plus je deviens héros. Plus j'écris une histoire que je laisse à la postérité, à la génération qui vient. Si tu n'as pas les difficultés que tu as vécues, tu ne serviras à rien à ta génération, ni à la génération qui vient. Les problèmes, c'est bien. Beaucoup de personnes m'ont calomnié, m'ont méprisé, m'ont insulté dans cette nation. J'ai aimé ça. Et je leur suis reconnaissant. Parce que Dieu les a utilisés comme des tremplins. Ils m'ont galvanisé. Parce qu'à chaque fois que j'entendais les paroles mauvaises qu'ils disaient sur moi, je me disais, Kanel, tu n'as pas le droit de rentrer, tu dois réussir dans ce pays et devant eux. Ils m'ont mis au travail. Je les ai rattrapés, je les ai dépassés, je les ai surpassés. S'ils ne m'insultaient pas, s'ils étaient mes amis, je serais paresseux. Mes amis, je serais paresseux. Donc pourquoi, mes amis? Parce que la guerre, nous sommes nés pour nos battes. Nous sommes nés, on ne se décourage pas, on ne se relâche pas. Le découragement n'existe pas dans notre dictionnaire. Non. La Bible dit dans Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne dis jamais je n'en peux plus. Ne dis jamais non, je ne peux plus, ça me suffit. Ne dis pas je veux me suicider. Ne te plains pas, ne te décourage pas, ne te relâche pas, ne t'arrête pas. Mais dis toujours, dans mes moments les plus difficiles, compliqués, où je n'avais même pas 5 francs, pas à manger, pas d'habit pour porter, pas de chaussures, je me regardais dans un miroir, je disais, demain sera beau. Amen. Crois en toi plus que tout le monde. Amen. Ne doute jamais de toi.
Laisse tout le monde douter de toi, mais ne doute jamais de toi. Ne te décourage jamais. N'arrête jamais de prophétiser que demain sera beau. Je me répétais ça. Je marchais en route sans manger pendant des jours, sans sentir l'odeur de la nourriture préparée. Il disait, Ferdinand, demain sera beau. Demain sera beau. Je vois les gens dans leur voiture. J'ai dit que ma part vient, mon temps arrive. Il disait à ma mère, maman, tu sais, je vais te construire la maison. Hein. Je vais te construire la maison, tu comprends, non? Même manger, je n'avais pas. Je promettais la maison à ma mère. Ma part, mais je n'avais pas. Je disais, maman, je serai un grand homme. Hein. Et ma mère disait que t'as comme mon fils. Elle me regarde, je dis, comme mon fils. Tu sens qu'elle est le bon, oui, par la foi. Mais la foi, là, elle n'a pas. Aujourd'hui, j'ai construit sa maison. Je lui ai acheté la voiture. Elle ne manquait de rien. Elle ne manquait de rien, c'est ça la vérité. Ma mère ne manquait de rien. Je vais construire une maison. Je lui ai mis un salon, un beau salon. J'ai mis beau, bien, sa maison, bien arrangée. Chaque mois, elle a au moins 500 000 que je lui donne. C'est l'enfant qui était pauvre, le plus pauvre de la maison. J'étais le plus pauvre de ma famille. J'étais le plus pauvre. Ce que j'ai dit, je le dis sérieusement. Je portais les habits de mon neveu. Je portais ses caleçons. Je portais ses habits, ses hauts. On portait ses habits ensemble. Parce que lui, il travaillait, il avait 50 000, je pense, par mois. Je n'avais rien. J'étais le plus malheureux. C'est-à-dire que ma famille était pauvre, j'étais le plus pauvre dans ma famille. Le plus pauvre, le plus misérable. Mais avec la bouche, je construisais les gratte-ciels. Je dis, maman, c'est vrai ici. Quand tu rationnais, tu ne rationnes pas. Contribuer à louer la maison. La maison, c'était combien par mois? 9 000, je pense. 8 000 ou 9 000. Ça nous dépassait. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne te décourage pas dans cette vie. Nous sommes dans une guerre. Tu dois te dire tout ce que le diable a dit contre moi. Tout ce que mes ennemis ont dit, je leur prouverai. Que la victoire ne vient pas ni de l'Occident, ni de l'Orient. Mais que la victoire vient de l'Éternel des armées. Du Dieu vivant dont je suis le serviteur. Homme de Dieu, il y a une femme m'a dit un jour, à cette époque, elle m'a dit, tu es pauvre. Tu es une fille que j'aimais. Elle m'a dit, tu es pauvre, tu vas mourir pauvre. Comme tu as choisi d'être pasteur. Aujourd'hui, elle m'a dit que moi je travaille, j'ai mes 50 000 par mois. Elle touchait 50 000 par mois. Je lui ai répondu que tu penses que quand elle te dit que Dieu va me bénir là, c'est 50 000. Non, c'est pas 50 000. Je lui ai dit non. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour moi. Et je te dis que s'il plaît à Dieu, je te prouverai à toi et à ta famille. Qu'aucun homme ne détient le destin d'un autre homme dans sa main. Parmi tous ceux qui m'ont combattu au Cameroun, c'est pas l'orgueil. Parlons simplement. On parle entre nous, entre amis. Parmi tous ceux qui m'ont méprisé hier, qui ont dit du mal de moi et tout ça là, qui fait ce que je fais? Qui va où Dieu m'envoie? Qui dit ce que Dieu me dit de dire? Pourquoi, mes amis? Je sers un grand Dieu. Et cette guerre, je n'ai pas l'intention de la perdre. Je n'ai pas l'intention de la perdre. Et j'ai dit à quelqu'un un jour, même s'il faut entrer au ciel, en tirant sur mon ventre, on va entrer. L'essentiel, c'est qu'on soit dedans. Mais c'est sur les fesses, on va tirer sur les fesses. Mais jamais je ne m'arrêterai que je suis découragé. Je ne continue pas. Jamais. Mais si vous arrivez là, je le vois. Et mon petit frère est devant. Il dit, grand frère, viens, du courage. Après un peu d'effort, un peu de poétie. Et puis je le tire. Oh, tiens, oh, non. Mais si c'est ça, on va arriver là-bas. On va marquer cette génération. On la marquera, mes amis. Aucun sorcier ne peut défendre à Dieu de faire de toi ce qu'il a juré dans sa fidélité, de faire dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que toute conspiration de Satan, de la sorcellerie dans ta vie, soit détruite maintenant au nom de Jésus. Ton amen est en train de me déranger un peu ce soir. Prophétie contre ta vie, dans ta famille, partout autour de toi, je la ramène sur la tête de l'expéditeur. Je la ramène sur la tête de l'expéditeur. Dans le nom de Jésus de Nazareth,
est-ce que je peux donner une parole prophétique à quelqu'un ce soir? Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Où ils ont dit que tu vas mourir, tu vivras plus longtemps que tous. Tu vas vivre plus longtemps que tous. Où on a dit que tu ne seras rien, tu feras ce que personne d'eux ne fera jamais. Tes enfants seront établis sur leurs enfants. Leurs enfants seront esclaves de tes enfants. Celui qui dit Amen, l'ange écrit ça dans le livre de souffrir. Zaratawa inna moradias, poterawa inna glos mentatao. Quiconque a creusé un tombeau pour toi et a dit que tu vas mourir, qu'il soit enterré dans son propre tombeau ce soir. Qu'il soit enterré dans son propre tombeau ce soir. L'Esprit de Dieu me dit de prophétiser. Et j'obéis et je prophétise. Ainsi parle l'Éternel. Des jours de rafraîchissement viennent devant toi. J'ai vu un temps. C'est un temps de gloire. C'est un temps de joie. Où tu vas oublier les souffrances par lesquelles tu es passé. C'est un temps de restauration. Où tu vas oublier les galères de ta vie et de ton passé. C'est un temps de célébration. C'est un temps de moisson. Ce temps est en train d'arriver. Où tu seras dans l'abondance. Dans la joie, dans le bonheur, dans les richesses divines, où tu raconteras ton histoire, comme je raconte mon histoire ce soir. Reçois la double portion. Reçois la double portion. Reçois la double portion. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu deviendras un objet d'étonnement. Dans ta famille, les gens vont s'étonner. Dans ta génération, les gens vont s'étonner. Les gens ne vont rien comprendre. Et je compte les années. Ça va arriver. Dieu te prendra de la poussière. Il te prendra du fumier de la terre. On t'insultait. On te raillait. On se moquait de toi. Il te fera asseoir à table avec les grands du pays. Tu mangeras ce que les grands mangent. Tu t'assureras où les grands s'asseyent. Tu parleras le langage des grands. Amen. Parce que Dieu t'imposera sur la table des grands. Amen. Les grands qui se moquaient de toi, parce que tu étais assis dans la poussière, seront étonnés. Ne comprendront pas ce qui s'est passé pour que tu te retrouves sur la même table qu'eux. Si quelqu'un dit Amen, si quelqu'un tente de dire Amen, si quelqu'un ose dire Amen, le courage de dire Amen. Dieu te porte aujourd'hui de la misère où tu te trouves, de la pauvreté, de la souffrance, du célibat et de toutes les activités de sorcellerie. Dieu te porte. Il te fait asseoir sur la table des grands. Je verrai le sorcier qui se lèvera contre toi. Si quelqu'un prononce ton nom par erreur, il sera frappé par erreur. Si quelqu'un prononce encore ton nom intentionnellement, il sera frappé intentionnellement. Dans le nom souverain de Jésus, ta vie est préservée. Ta vie est protégée. Ton présent est protégé. Ton futur est assuré. Dieu fera de toi une personne légendaire. Que Dieu rende ton nom grand ce soir. Que Dieu rende ton nom grand ce soir. Dis mon père, mon père. Rends mon nom grand ce soir. Tout rassemblement contre ma vie dans la sorcellerie. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Ouvre la bouche et prie contre les rassemblements mystiques. Le rassemblement invisible. Le feu. Que le feu descende. Le feu de Dieu. Tu nous laisses le feu. Et c'est le malheur qui est mort.
C'est la guerre. Nous allons prier, c'est le sujet de prière. Toute prophétie contre ma vie, je l'annule. Elle n'aura pas d'effet sur ma vie. Je la retourne à l'expéditeur. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Oh mon sauveur. Oh mon sauveur. Toute prophétie. Toute prophétie. Satanée. Satanée. Diabolée. Diabolée. Contre ma vie. Contre ma vie. Je la retourne à l'expéditeur. Qu'ils soient victimes de leur propre prophétie, ça n'arrivera pas, ni dans ma vie, ni dans ma famille. Je retourne à l'expéditeur, ma prophétie satanée, ouvrez la bouche par le prix. Je retourne toute prophétie satanée à l'expéditeur. Je retourne toute prophétie satanée à l'expéditeur. Je la chair, ils n'ont point leur propre sang, leur foi dans le camp de Satan, leurs propres œuvres. Chamaré Capari Kato, Andera Supra Kata, retourne à l'expéditeur. Et c'est la malouée. Et c'est la même olée, ça rouvit. Et c'est la même malouée, mon. Se remet à l'ouvrir. Et c'est la malouée, mon. Yassera mi filuke, yassera mi mulaimu, usuru mi malude. Yeah.
Arrose ma vie de ta grâce. Arrose ma vie de ta grâce. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Sois exposé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tes ennemis ne se cacheront plus devant toi. Amen. Dans ton lieu de travail, Amen. Ils ne se cacheront pas. Amen. Dans ton village, Amen. Ils ne se cacheront pas. Amen. Votre village, c'est quoi, madame? Votre village, c'est quoi? C'est. Hein? Du côté paternel, c'est Cep. C'est Cep. Et du côté maternel? Biatolo.
bientôt. Tu es au Cameroun? Oui, du Mbamba. Tu es au Mbamba? Après Mbessa. Après Mbessa. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous aime. Les œuvres du diable sont détruites dans votre vie. Comment va maman Ikani? Elle va comment? Elle est souffrante depuis quelques années. Oui, ça fait des années. Depuis 2018. C'est en 2018 que Satan a visité sa maison. Et un esprit malin s'est attaqué à elle. Elle a reçu comme une flèche à la maison. Qui est en plein jour. Elle a reçu la flèche. Elle a senti comme une paralysie. Elle s'est mise à crier. Elle allait s'asseoir. Il y a un esprit qui a été lancé dans votre famille. Le trône de Satan doit être renversé. Yes. Amen. Le trône de Satan sera renversé. Amen. C'est qu'on vous a arraché, on a volé sur vous. Nous allons récupérer ça aujourd'hui. Amen. Vous retournerez chez vous ce soir, étant restauré complètement. Amen. Vous avez eu à faire une formation? Oui, je suis enseignante. Je viens de faire le concours d'intégration. Je suis en attente des résultats. D'accord. D'accord. Je vais prier pour vous. Amen. Que le Seigneur intervienne. Amen. Et le Seigneur va intervenir pour une raison. Je vous ai vu le jour où vous faisiez le concours, votre examen. Il y a une jeune femme que vous avez aidée qui aussi est en train de composer. Une jeune fille qu'on appelait Gisèle, que vous avez aidée. Parce que son bic avait des problèmes. Vous l'avez aidée avec votre bic. Et cette action a plu au Dieu des cieux. Amen. Elle vous a béni. Elle vous a béni. Gisèle vous a béni avant de partir. Et le Seigneur m'a dit ceci. Ce que vous êtes allé faire, vous l'avez fait par dépit. Ce n'est pas ce que vous vouliez faire. Ce n'est pas ce que vous vouliez faire. Et ce n'est pas votre place. Ce n'est pas votre place. Le Seigneur ramènera votre destinée à partir d'aujourd'hui. Amen. La formation que vous avez faite, ce n'est pas ce que vous allez faire. Ce n'est pas ce que vous êtes appelé à faire. Vous n'êtes pas fait pour être une enseignante. Il y a une destinée plus glorieuse pour vous. Amen. Et elle vous sera révélée. Amen. Dans les années qui arrivent. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous n'allez pas finir enseignante. Vous allez démissionner pour suivre la voie que le Seigneur ouvrira devant vous. Amen. J'ai vu une femme qu'on appelle Mireille. J'ai vu une femme qu'on appelle Mireille. Et je vous ai vu proche de cette femme-là. Et ça, c'est comme une connaissance à vous. C'est une femme que vous avez connue, avec qui vous étiez proche, que vous avez prise comme une amie à vous, comme une personne qui vous est importante. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec cette Mireille. Et je prie pour votre délivrance. Et que le Seigneur anéantisse ce que Satan a fait contre vous. Amen. Est-ce que tu as connu Mireille? Homme de Dieu, certainement j'ai oublié. D'accord. Vous avez connu Mireille. Et ce que j'ai dit est très sérieux. Parfois, le prophétique, nous parlons et je vois la Mireille là derrière vous. Elle est derrière vous. Vous percevrez ici? Non, non. Hein? Non. Je vous pose une question simple. Est-ce que vous avez déjà suivi le prénom Mireille quelque part? Je crois. La Mireille ici, je vous ai vu comme sur les bancs avec elle. Sur les bancs. Et quelque chose s'est passé. Parce qu'il y a un garçon qu'on appelait Betty. Comme Betty. Qui vous courait après.
Et à cause de ce bêtis, il y a quelque chose qui s'est passé avec cette Mireille, vous concernant. Et il y a comme un nœud qu'on a attaché. Il y a un nœud qu'on a attaché. Vous connaissez bien Mireille. Ce qu'on va faire, nous avons le programme ici combien de jours? Ah, on a, c'est combien de jours on de Dieu? Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Donc, je prie pour maman et Kali d'abord. Yes. Votre prophétie, vous allez aller vous asseoir calmement parce qu'il y a des gens qui sont devant un prophète, ils sont sous pression. That's true. Avant, je me fâchais. C'est ma mère qui m'a dit il faut te calmer quand tu parles aux gens parfois. Donc, vous allez vous asseoir, vous allez réfléchir. Vous comprenez? Yes. Et lorsque Mireille va revenir, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez été amis, avec qui vous avez marché. Lorsque Mireille va revenir, demain je serai là, par la grâce du Seigneur. Vous revenez, vous dites. Vous le dites. Et je vais commencer, continuer la profession où je me suis arrêté. Yes. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Vous avez peur? Non, non, c'est la première fois, je suis un peu surpris. On a déjà prophétisé sur vous. Oui, homme de Dieu. Hein? Oui, papa. Ok. Maintenant, il y a un problème de célibat dans votre famille. Il y a quoi de célibat dans votre famille? Et nous, nous devons prier pour ça. Vous êtes marié? Non. Mais pourquoi je parle? Vous faites comme si c'est... Non, je ne suis pas marié. Hein? Je ne suis pas marié. Vous n'êtes pas marié? Non. Ok. Il y a des gens qui sont venus pour vous épouser que le diable a volé. Le diable a éloigné. Oui, c'est bon. Attendez. J'ai vu un jeune homme qu'on appelait Cyril. Cyril, Cyril. Derrière vous. Mais cette relation, le Seigneur l'a. Satan l'a détruite. Et c'était un garçon sérieux, c'est quelqu'un de bien. C'était une bénédiction pour vous. Et le diable est éloigné. Plusieurs fois, vous seriez marié. Dis mon Père, mon Jésus. Mon Père, mon Jésus. Que ta gloire soit manifeste dans ma vie. Que ta gloire soit manifeste dans ma vie. Vous allez dire à maman et Kani, dis-lui que j'ai dit que j'ai vu un parent à vous qu'on appelait Sadio. 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 Qui est déjà mort. Vous allez dire à votre mère, elle connaît l'histoire ici. Sadio. Et ça, c'est une femme qui était une autorité spirituelle à l'époque. Elle avait des pouvoirs maléfiques. Et il y a eu des choses qu'elle a faites dans votre famille, contre la famille. Elle était comme une prêtresse des esprits dans votre famille. Et je me joins à vous dans la prière contre les autels sataniques dans votre famille. Amen. Que le Seigneur juge le tombeau et tous les 7 autels qui ont été établis au nom souverain de Jésus. Amen. Et dis-lui que le Seigneur va envoyer un ange pour enlever les maladies dans son corps. Amen. Amen. Les unes après les autres. Amen. Les unes après les autres. Qui a un rapport avec un nom comme Oko? C'est Oko. Qui a un rapport? Non, non. Oko. Qui a un rapport avec quelque chose? C'est Oko. Oko. Qui a un rapport avec Oko? Oko, c'est qui? Oko. Toi, je te connais. C'est pas toi. Il est où? Chez ta mère, en Guissa. Il est en Guissa ici. Oui. Vous avez son numéro? Non, ça fait depuis 5 ans que je connais ce. Vous pouvez le voir, vous pouvez le chercher. Je peux. Parce que j'ai vu un homme qui est creusé avec son nom. Il avait une fille qu'on appelle Mamie. J'ai vu ça.
Vous étiez dans l'église, un prophète a dit que il a été avec une fille qu'on appelle Mamie. Et cette fille est en train de vouloir sacrifier sa vie dans la sorcellerie. C'est une femme, une mauvaise femme, qu'il a rencontrée, avec qui il a eu beaucoup de problèmes. Et c'est une femme qu'il a beaucoup aimée et qu'il aime encore maintenant. Vous comprenez? Aussi. Nous prions que le Seigneur intervienne. Amen. Donc vous allez l'appeler pour lui dire cela. Amen. Ne jouez pas avec ce que je vous dis, parce que c'est une chose qui est déjà calée dans le monde des ténèbres. C'est calé déjà. Vous percevrez ici? Non, j'habite au quartier. Ah, vous habitez le quartier? Oui. Vous habitez ici au quartier? Oui, en face. Ok, d'accord. J'ai une question sur ce jeune homme. Je vous ai vu enseigner. Je vais expliquer. Je vous ai vu enseigner. Je vous ai vu enseigner. Vous avez rapporté l'enseignement? Je suis pasteur. Très bien. Vous êtes amoureux? Oui, c'est ma fiancée qui venait de parler. Elle vient. Elle vient. Wow. 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 Attrape le Saint-Esprit, s'il te plaît. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Contre lesquels il faut prier dans sa famille. Vous avez bien lui parler de ça. Il avait dit, tu dois prier pour toi, parce qu'il y a des hôtels par rapport au ministère. Parce que si les hôtels, vous ne les détruisez pas, si le trône de Satan n'est pas renversé, vous aurez des problèmes, comme vous en avez souvent. Parce que parfois, vous ne la comprenez pas. Parfois, vous dites que vous ne comprenez pas son caractère. C'est comme une avant-hier. Oui, je lui ai parlé tout à l'heure des choses simples. Et Satan efface ça dans son esprit. Gabarante va vous parler. Elle va vous dire. Alors, ah oui, je me rappelle. Le papa parle de Mireille. Voilà ce qui s'était passé avec Mireille. Parce que Satan combat sa délivrance. Satan combat sa délivrance. Et vous l'avez connu, et il y a eu des problèmes que vous avez commencé à avoir. Et ça vous avait réfléchi profondément. Vous avez dit que, ah, depuis que je la connais, les choses se bloquent. Les choses se bloquent à gauche à droite, ça se bloque. À gauche à droite, les choses deviennent difficiles. Mais, hein? C'est la vérité du Seigneur. Je suis venu après 6 mois de loyer sans payer. Comme je prêche dans les marchés, subitement la paresse est payée. Donc moi je suis comme ça. Elle a prophétisé. L'endroit où ils habitent, actuellement, c'est la misère totale. C'est la misère totale. Parfois même manger, il n'y a pas. Et parfois je ne supporte pas. Vous essayez de la convaincre. Vous l'expliquez. Et Dieu m'a parlé, il va agir, il va travailler. Et ça va aller. Parfois il comprend et après on fonctionne. Elle ne comprend pas. D'accord. Je voudrais prier pour vous. Amen. Vous voulez connaître ce que Dieu va faire. Vous voulez connaître. C'est pour cela. C'est ça que vous êtes venu. Vous voulez connaître ce que Dieu va faire. Et je vais vous annoncer par l'Esprit du Seigneur.
suis entré chez vous, je suis entré dans une chambre. J'ai trouvé une chambre. Et la chambre, beaucoup de choses manquent dedans. Et quand j'ai vu la chambre, j'ai vu un lit. Et le lit, je l'ai vu coller au mur. Je l'ai poussé coller au mur. Et j'ai vu la chambre, j'ai vu le lit collé au mur du côté de la fenêtre. Et j'ai mis un rideau à la fenêtre. Il y a un rideau blanc au niveau de la fenêtre. Et aussi, vous savez bien, j'ai flèche. J'ai vu j'ai flèche. Et j'ai vu des... comme un seau. Il y a comme un seau où il y a souvent de l'eau à l'intérieur. Il y avait un seau d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Dans un gobelet. Plastique, puis j'ai de l'eau. Et quand j'ai vu votre chambre, le Seigneur m'a dit, dis-lui, les choses que vous voyez n'ont rien à voir avec les choses que Dieu a prévues pour vous. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour vous. Dans la suite des temps, quand je vous ai vu, priez beaucoup pour votre couple. Parce que je ne vous ai pas vu parvenir au mariage. Si vous ne priez pas. Si vous ne priez pas pour sa délivrance, les hôtels familiaux risquent les quartiers de votre destinée prophétique. Et j'ai vu une autre femme. J'ai dit, ça dépend de vous. Parce que vous avez pris sa volonté aussi de s'engager ou de ne pas s'engager. Dans le ministère, dans quelques années, le Seigneur commencera à vous visiter. Le Seigneur commencera à vous établir. Et votre première voiture sera une Mercedes. Et cette Mercedes est un couleur blanche. Vous allez noter ça. Ça sera un signe. Quand vous verrez ces choses s'accomplir, ça sera un signe que l'Éternel vous mènera très loin. À cette époque, soyez humble. Soyez humble. Ne vous laissez pas enivrer par la richesse ou par le succès. Soyez humble. Merci Jésus. Mais au nom de Jésus, ta grâce. Mais qu'elle soit délivrée. Que les hôtels de sa vie soient renversés maintenant au nom de Jésus. La foi en Jésus. Intelligente. Quand le temps, quand le temps, quand le temps, quand le temps. Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. En ce premier jour. En ce premier jour. Étonne-moi, Seigneur. Étonne-moi, Seigneur. Cette nuit. Cette nuit. Révèle-moi. Révèle-moi. Les ennemis cachés de ma vie. Les ennemis cachés de ma vie. Dans le nom souverain de dans Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Venez, je vais finir avec vous. Vous percevrez ici. Percevrez pas ici. Attends quoi, bon. Vous êtes avec qui ici? Je suis. Vous êtes seul. Vous êtes où? C'est en Gousson. Vous êtes en Gousson. Ok. Ici, Maro. Papa, venez, je vais mettre la main sur vous. Le Seigneur veut vous guérir, oui, venez. C'est le Maro. C'est le Maro. Será maro, será maro, será maro, será maro, será c'est la guerre en fait. Votre foyer, c'est la guerre. Et votre foyer a besoin de délivrance. Il a besoin de l'intervention de la main de Dieu dans votre foyer. Il y a un esprit d'incompréhension que le diable a relâché dans votre maison.
Et les choses vont dans tous les sens. Dans tous les sens, dans tous les sens. Je voudrais prier pour vos mains. Hein? Est-ce que vous avez eu à vendre? J'ai une boutique. J'avais une boutique. Bien. Je veux prier pour votre main. Yes. Parce que alors je parle, les choses se sont arrêtées. Les choses que vous voyez avant, ça s'est arrêté. Au début, c'était très bien. Hein. C'était tellement bien. Mais aujourd'hui, ça s'est arrêté. Je veux bénir vos mains. Amen. Je veux bénir vos mains. Le mariage est difficile. Votre mariage est devenu compliqué. C'est difficile. Le mariage. Alors, je parle. Bon, je parle ou je parle de façon modérée ou je parle librement. Voilà. Vous savez, c'est la démocratie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les causeries prophétiques éducatives. Mm. Demain, le Saint-Esprit nous bénira. Yes. Votre foyer, alors je parle, a des problèmes. Et ces problèmes affectent votre intimité. Alors je parle ici, à votre maison. Ça ne va pas. Ce qui va se passer entre un homme et une femme, dans votre foyer, alors je parle. L'étincelle s'est éteinte. Mais ce n'était pas comme ça au début. La lampe doit se rallumer. Votre cœur est blessé. Votre cœur est blessé. Je veux prier pour la restauration de votre foyer et je veux bénir vos deux mains. Vos affaires vont reprendre. Yes. Comprenez. Marie, c'est qui? Marie, c'est qui? Oui, c'est qui Marie? Oh, je voudrais prier que Dieu ouvre l'esprit des gens ici parce que le ciel, mon ciel est ouvert, mais le ciel des gens ici n'est pas ouvert. Je vous dis la vérité, le ciel n'est pas ouvert. Hier, j'ai passé une soirée à prophétiser sur les gens dans le pays, sur TikTok, dans les gens criaient au téléphone. Et je dis, vous, le ciel. La nuit, j'ai prié que Dieu ouvre votre ciel. Amen. Voilà, ça, pour que demain, nous puissions être un sujet de bénédiction pour nous. Yes. Hein? Tu vas pas sur le téléphone. Hein? Elle est membre ici. Venez avec le téléphone, quoi. Venez avec. C'est bon. Dieu n'était pas là. Pourtant, on est en train de rendre ministère. Elle regarde ses choses sur Facebook. Elle n'est pas avec nous. Maman, Dieu va vous bénir. Amen. Vous comprenez? Vous êtes où? Bamileke. Je suis Bamileke. Je prie sur vous. Hein? Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Bien. Demain, je vais lui parler. Je vais vous parler demain. Vous comprenez? Demain, priez. Je vous laisse prier cette nuit. Demain, vous finirez. Je vais commencer la prophétie par vous. Et nous allons briser certains hôtels dans votre famille. Amen. Vous comprenez? On va briser certains hôtels dans votre famille. Parce que l'Esprit de Dieu m'a amené dans son village et je suis arrivé dans la maison d'un papa, qu'on appelle Père Élie, qui est un oncle à vous, au village. Et demain, nous voulons arriver chez lui, parce qu'il y a des choses qui se sont passées là-bas. Et des choses qui se sont passées dans votre famille. Qu'on doit prier, des offrandes qui ont été faites, des pratiques qui ont été faites. On doit briser ça, pour que la famille soit
Vous pouvez vous comprendre. Amen. Oui. Papa, que Dieu vous bénisse. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup servi ce pays. Mais vous n'avez pas reçu la gratitude. Amen. Vous avez servi le pays ici. Mais n'avez pas reçu la gratitude à la fin. À votre retraite, les choses qui devraient arriver ne sont pas arrivées. Ce que vous attendiez n'est pas arrivé. Et les projets que vous avez eus n'ont pas marché. Vous êtes prêts pour tout. Vos mains sont vides, alors je parle. Et le Seigneur m'a dit de prier sur vous pour votre santé. Amen. Vous comprenez? Oui. Je prie pour votre santé. Amen. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit venir pour vous. Mais c'est à l'étranger. Vous me suivez? Amen. Mais si vous comprenez, dites simplement Amen. Il y a quelque chose qui vient pour vous de l'étranger. Il y a quelque chose là-bas que l'ange de Dieu va ramener de l'étranger. Et ça sera déposé pour votre Dieu. Amen. Je veux lui dire une chose et je prie pour sa santé. Ce que j'ai dit, vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? Vous n'avez pas bien compris. Hein? Oui. Là, vous n'avez pas bien compris. Alors, je parle, vous avez besoin d'argent. Vous êtes dans un projet, vous avez besoin d'argent. Oui. Vous attendez, vous priez pour ça. Que Dieu fasse un miracle. Que quelqu'un se souvienne de vous. Amen. Que quelqu'un intervienne. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, je vous dis quelque chose. Je vous ai dit que j'ai vu quelque chose à l'étranger. Vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'êtes pas prophète. Moi, je vais vous aider à comprendre ça. Vous avez eu un ami de jeunesse qu'on appelait Gilbert. Et ce Gilbert, alors je parle, il est en Europe. Il est en Europe depuis des années. Et l'ange de Dieu a parlé à Gilbert, vous concernant. Ces derniers temps, Gilbert ne dort pas. Il a. Attendez. Ce Gilbert était mécanicien. C'était un mécanicien. Et alors où je parle, Dieu est en train de mettre dans son cœur le fardeau de vous bénir. Amen. Et c'est quelque chose qui va arriver. Amen. C'est quelque chose que le diable a combattu. Mais ça va arriver. Amen. Est-ce que je me souviens? Ça va arriver. Il est personnel ici. Il est ici. Je prie pour votre santé. Parce que ça ne va pas bien. Que le Seigneur vous guérisse. Yes. Il a rendu des services aux gens. Ce papa. Il a rendu des services à beaucoup de personnes. Quand il avait encore les moyens. Et c'est fini. Il a fini son travail. Il est en retraite. En repos. Et aujourd'hui, il est oublié de tous, abandonné de tous. Et le Seigneur m'a montré le secours qui vient de loin. Amen. Son ami, qu'on appelait Gilbert, qui était un mécanicien. Et le Seigneur vous envoie un secours pour tout le bien que vous avez eu à faire. Amen. Et vous n'allez pas mourir. Amen. Je vous ai vu pleurer, disant à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas mourir maintenant. Fais-moi vivre encore. Il y a des choses que je devrais faire que je n'ai pas faites. Hein? Le Seigneur a exaucé cette prière. Amen. Ce Seigneur, donne-moi son grand monsieur. Merci. Montez-moi de Dieu. Que Dieu bénisse. Allez, soyez en santé. Rendez-vous demain. Chacun prie. Oh Dieu, ouvre le ciel de ma vie. Et demain, on va entrer dans le prophétique. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus, s'il te plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni.